Il y a une parole qui m'a toujours surprise, mais pour vous, il va en être de même, certainement, parce que on lit. Mais il ne s'agit pas seulement de lire la Bible, il s'agit de la comprendre. Et il faut la comprendre par la foi, dans la foi, mais aussi avec le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui éclaire la parole. Deux personnes pourront lire la même parole et ne pas du tout la comprendre de la même façon. Il y a une façon, bien sûr, primaire, je dirais, de la comprendre, mais ce que Dieu veut, c'est que nous comprenions sa parole d'une manière spirituelle. Alors, je vais lire un verset que vous connaissez peut-être que vous avez lu il n'y a pas longtemps. Et il faut toujours lire la Bible, je le rappelle, avec la foi. Et c'est seulement la foi qui ouvre, qui est la clé pour comprendre la parole. Et là, eh bien, il y a cette parole, c'est dans Proverbes chapitre 29 et le verset 24. « Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. » Et il ajoute, « Il entend la malédiction et il ne déclare rien. » C'est assez curieux parce que c'est difficile à comprendre. Ce qui est facile à comprendre, c'est le voleur. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Je me souviens, alors que j'étais aumônier militaire, et j'étais donc aussi aumônier des légionnaires, et il y avait deux légionnaires qui m'aimaient bien. Alors m'ont dit, vous savez, pasteur, bientôt on va être libérés, et on voudrait partager avec vous le magot qu'on a mis de côté. Et puis maintenant, on est venu à la Légion étrangère et quand notre temps sera fini, eh bien, on vivra bien avec le magot, avec le hold-up qu'on a fait. Je dis, ah non, 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 moi je ne partage pas. Je ne veux rien de votre partage plutôt. Je ne veux même pas un centime. J'ai tout oublié de ce que vous m'avez dit. Ah non, je m'en souviens encore. Mais ça, non, 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 non. Partager un vol, non, 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 non. C'est pas possible. Alors, je leur ai parlé, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que cette parole veut dire plus que cela. Elle veut dire ceci avec un voleur. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Je n'allais pas partager avec les légionnaires. Je serais devenu mon propre ennemi. Je me serais fait du mal à moi-même. Et mal acquis, comme on dit, ne profite jamais. Alors donc, je dis non. Mais cette parole veut dire quelque chose de très précis. Le voleur dont il est question ici, c'est le diable. Celui qui partage avec le diable ne fera pas de vieux os et n'en profitera jamais. Il combat même contre son âme, comme c'est écrit. Mais il y a cette parole qui suit. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Et quand on partage avec le diable, eh bien, on reçoit une malédiction et on vit de et dans la malédiction. Et c'est pourquoi, moi, je vous invite vraiment à ne pas partager avec l'ennemi de vos âmes. C'est un voleur. Et tout ce qu'il fait, il vole. Et il vole et il tue. Et Jésus nous a mis en garde contre cela. Alors, partager avec le voleur, c'est quoi? Eh bien, ben, souvent, c'est quelque chose que l'on entend, c'est maudire quelqu'un.
c'est envoyer la malédiction sur quelqu'un. C'est maudire quelqu'un. Et la malédiction, parfois, bien, on est bien embêté et on est tourmenté et parfois on est aussi malheureux, malade, parce qu'il y a des gens, et on le sent, qui vous ont envoyé une malédiction, qui vous ont jeté un sort. C'est de la sorcellerie. D'ailleurs, le mot sorcellerie vient jeter un sort. Que fait un sorcier? Il jette un sort. Et il le fait parce qu'il partage avec le malin. Il partage avec l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire le diable, Satan. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Alors il y a celui qui jette une malédiction, mais qui se tait. Bien sûr, il ne faut pas le savoir. Il ne faut pas dire que c'est moi. Celui qui a envoyé la bénédiction, qu'on ne le sache jamais. Combien d'histoires de ce genre j'ai entendu. Et il y a une histoire qui m'a toujours frappé. C'est qu'un jour, on me demande de venir dans une maison. Alors je viens, je croyais que c'était parce qu'il y avait une personne qui était malade et qu'on me demandait de prier pour elle. Mais pas du tout. On me dit, pasteur, on vous a demandé parce que tout simplement on a un problème et le problème que nous avons c'est avec les rats. Alors je dis quoi les rats? Moi je chasse pas les rats. Vous avez mis de la mort aux rats? Mettez de la mort aux rats, il y en a tellement de sortes. Vous pouvez vous débarrasser des rats de cette façon-là. Ils me disent, ben, on a tout essayé. Et puis, rien n'y fait. Les rats sont toujours là, ils ne partent pas. Et nous sommes même persuadés que c'est une malédiction. On nous a jeté un sort et les rats eh ben, sont là. Alors, ils m'ont dit, vous savez, on avait des pommes de terre, on avait des carottes. Alors, pour pas que les rats, eh bien, les cachent dans leur terrier, dans le cellier, ils avaient fait des trous et des trous, ils avaient fait des tunnels, etc. Ils mettaient leurs, les pommes de terre, tout ça, dans les tunnels, et puis eux se retrouvaient sans rien. Alors, on a mis les pommes de terre, les carottes, eh bien, au grenier. Ben, vous ne savez pas ce qui se passait? C'est que les rats, pendant la nuit, eh bien, ils prenaient les pommes de terre et ils les roulaient jusqu'à la gouttière et ils les faisaient tomber dans la gouttière. Et puis en bas, il y avait d'autres rats, eh bien, qui les amenaient dans le cellier. Et puis de là, eh bien, ils les remettaient dans leur terrier, si on peut dire. Alors, on en a assez. Alors, on vous a demandé de chasser les rats. Je dis, mais moi, je n'ai jamais chassé les rats, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Mais Seigneur, mais je n'ai jamais rencontré une chose semblable, une difficulté aussi monumentale. Alors, j'ai prié vite, et chasse les rats. Chasse les rats. Et pendant que j'entendais cette parole au fond de mon cœur, eh bien, il y avait la porte et puis il y avait une tenture devant cette porte. Eh bien, il y avait un rat là qui était à côté de moi, même pas un mètre, qui me narguait. Alors là, mon sang, comme on dit, n'a fait qu'un tour et je dis, ben, je vais prier. Et j'ai prié pour qu'au nom de Jésus, cette malédiction des rats qui empoisonnait
la malédiction, la maison s'en aille, qu'elle soit chassée. J'ai prié au nom de Jésus et j'ai cru en la puissance de Jésus. J'ai cru parce que dans la Bible, il est écrit, et je vais lire avec vous ce passage, c'est dans Galates chapitre 3, verset 13. Christ, c'est-à-dire Jésus, nous a rachetés de la malédiction de la loi, parce que dans la loi, ben, il y a aussi toutes les choses qui concernent les malédictions. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, c'est-à-dire est crucifié. Mais Jésus a pris sur lui nos malédictions, les malédictions qui ont été jetées contre nous, les sorcelleries qui ont été lancées contre nous. Et il en a dépouillé les personnes qui en étaient les victimes. C'est ça que Jésus a fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prié, j'ai dit au nom de Jésus, au nom de celui qui a porté nos malédictions, mais qui nous a aussi racheté des malédictions, eh bien je déclare que la maison est libre et que les rats n'ont plus rien à y faire. Les rats doivent partir. Au nom de Jésus, vous partez. Chef des rats, tu pars avec toute ta troupe. Et puis, amen. Et puis je suis parti. Et puis, quelques temps après, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il n'y en a plus. Il n'y a plus de rats. Il n'y a plus de rats. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que les rats sont allés dans une autre maison qui n'était pas loin. Et c'était certainement ceux qui les avaient envoyés. Mais Dieu est fidèle. Croyez à l'autorité de sa parole. Mettez en pratique sa parole. Que Dieu vous bénisse. Il a porté la malédiction pour que nous n'ayons plus à la supporter. À lui la gloire.